Yamana loba quand même na bino bandeko o bozana ba prison. O kan sate ke kuna na prison, bino boza mabe ko le kabiso batoza li banda te. Ezana ba mosusu baza li banda ya boloko. Basala ka mabe ko le kameme bino bato oza kuma. Nakati na boloko, me batika bango. Ravi de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Madame, messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, campagne électorale. Martin Fayoulou, candidat président numéro 4, a foulé le sol de Béni dans le Nord Kivu où il a procédé au lancement officiel de sa campagne alors que Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont été signalés à Goma et Chadari dans le Grand Équateur. Vous suivrez le détail dans ce journal. Affaire Peter Tien. Après la Fédération internationale de journalistes, le reporter sans frontières hausse le ton pour demander sa libération immédiate. Et vous suivrez à la fin de ce journal en grand format la remise du prix Liberté et Justice par tous et pour tous où votre magazine a été plébiscité. Voilà tout pour le titre. À toutes et à tous, bienvenue. Après plusieurs tergiversations, l'avion du candidat de la plateforme Lamouka a atterri à Béni, dans le Nord Kivu. Le candidat numéro 4, Martin Fayoulou, pour le début de sa campagne électorale dans l'est du pays. Suivez. Lancement de la campagne du candidat numéro 4 dans l'est du pays. C'est ce mercredi que Martin Fayoulou, à bord de son jet, a foulé le sol de Goma, à genoux, bras à l'air, remerciant le ciel. Puis un baiser sur le sol en guise de possession du lieu. Fayoulou a gagné la ville où l'attendaient des millions de compatriotes. Candidat de la plateforme Lamouka va couvrir Goma, Béni, Boutembo et d'autres villes de l'Est avant d'atterrir à Lubumbashi dans le tout prochain jour. Clin d'œil sous le déroulement de la campagne électorale en RDC. Après un temps d'observation, le candidat président de la République entre vivement en campagne à l'intérieur du pays. Un seul objectif, rafler de voix de Congolais pour le prochain scrutin. Justin Manyongo pour le détail. La campagne électorale au niveau de la présidentielle semble maintenant entrer dans le vif du sujet. Alors que, jusque-là, seuls les candidats du FCC, Emmanuel Ramazan et Chadari, était en tournée électorale, d'abord au Katanga, puis maintenant à Badolité, chef-lieu de la province du Nord Ubangi, à l'Équateur. Les candidats du FCC militent afin de déjouer les pronostics de ceux qui attribuent ces coins du pays à l'opposition. De son côté, Félix Tshisekedi ainsi que son compère Vital Kamerhe ont fait également leur première sortie électorale hors de Kinshasa, à l'est de la RDC, précisément à Goma. Une tournée qui doit les amener à arpenter ces coins du pays considérés comme le ventre mou du pays de Lumumba. D'ores et déjà, Félix accuse le gouvernement congolais de l'empêcher de descendre à Walikale afin de poursuivre sa campagne électorale. Du côté de la plateforme Lamouka, Martin Fayoulou et les siens étaient également partis à l'assaut de voix des Congolais dans la ville de Béni. Une ville témoin de l'agonie de tout un peuple
massacré à chaque instant par des rebelles et des miliciens de toutes sortes. Martin Fayoulou a choisi ce coin du pays afin de mettre fin à un cycle infernal de violence. Quant aux autres candidats, comme Seth Kikuni, Marie-Josée Ifoku, Sami Badibanga et autres, l'air est encore à des hésitations ainsi qu'à des ralliements. Vous le savez peut-être déjà, le président de la République Joseph Kabila et la journaliste belge Colette Brackmann du journal Le Soir étaient à bâton rompu. La problématique de prisonniers politiques, les challenges d'organiser les élections sont là les sujets débattus. Décryptage de faits d'Arnaud Massamba. Suivez. Après la passation civilisée du pouvoir, le président de la République, Joseph Kabila, s'est rendu dans ce fermé de Kingakati ou du Katanga. Dans un face-à-face d'une durée de 2 heures, Kabila répond aux questions de la journaliste Colette Brackmann. Plusieurs sujets d'actualité ont été abordés. D'abord, céder le fauteuil. Ici, le chef de l'État se dit étonné de la surprise de sa décision. « J'ai fait ce que j'avais toujours dit, jamais en privé. » En public ou en aparté avec un autre chef d'État, je n'ai exprimé autre chose. J'ai toujours été constant. Réagissant sur la décrispation politique, sans embâge, il déclare qu'il n'y a pas de détenus strictement politiques. Un ex-gouverneur a été arrêté pour viol, deux généraux en prison pour la même raison. Être politique ne permet d'être libéré face à ce type de charge. À propos de ceux impliqués dans l'assassinat d'Emzé Laurent Désiré Kabila, il se refuse de tout commentaire car, dit-il, cela le concerne personnellement et les autres détenus, dont Carbone Béni de Filimbi, leurs cas seront examinés à la lumière de la justice. Évoquant l'organisation des élections sans le concours extérieur, Kabila dit d'un ton ferme « Ça coûte cher, mais c'est une question d'indépendance, de souveraineté. Le Congolais ne sont pas de mendiants. La RDC est un pays d'hommes et de femmes dignes. » Parlant de l'exclusion des observateurs européens et américains, il révèle qu'il y aura 40 000 observateurs nationaux, en plus de la SADC, de l'Union africaine et l'OIF. Pour lui, l'Union européenne a déjà préparé son rapport avant même le jour du vote, a-t-il ajouté. Concernant les sanctions qui pèsent sur son dauphin, le chef de l'État relativise. Si Chadari est élu, il sera le président de la RDC, non de la Belgique, où il ne possède rien. Pour lui, ces sanctions sont arbitraires, orientées politiquement. Quant au crime perpétré à Beni, le commandant suprême de l'armée rétorque qu'il ne s'agit plus d'une guerre classique, mais d'une menace terroriste qui requiert une stratégie particulière. Ces ADF sont le même que Boko Haram en Afrique de l'Ouest, le Shebab de Somalie, etc. À la question de savoir quelle était sa réaction en rapport avec le prix Nobel de Mukwege, il assure l'avoir félicité car Mukwege est un patriote. Séjournant dans l'est du pays pour battre campagne afin de ratisser large, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe n'ont pas manqué de demander la libération du journaliste Peter Tiani pour la respiration de la démocratie et de la liberté de la presse en RDC. Parlons affaire Peter Tiani. Après avoir épuisé ses 15 jours et 5 autres à la prison centrale de Makala, le journaliste sera ce mardi 11 décembre en chambre foraine pour demander sa remise en liberté provisoire. Après la Fédération internationale de journalistes, l'Union nationale de la presse du Congo et l'ONG internationale Human Rights Watch, c'est au tour de Reporters sans frontières de fustiger l'arrestation arbitraire du journaliste Peter Tiani. Arnaud Massamba pour le détail. Dans un article publié ce mardi 4 décembre 2018 intitulé RDC, Peter Tiani n'a rien à faire en prison. Reporters sans frontières demande la libération immédiate du journaliste Peter Tiani. Les accusations dont il fait l'objet peuvent être examinées sur le fond sans attendre et ne justifient en aucun cas son maintien en détention provisoire, dénonce Arnaud Froger, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières.
Alors que de nombreux médias ont relayé l'information faisant état du vol des 400 000 dollars américains dans la maison du Premier ministre Bruno Tshibala, Peter Tiani est le seul journaliste à être inquiété. À moins de 3 semaines dès l'élection présidentielle, cette détention s'apparente à une forme de représailles personnelles ou à une volonté de faire taire un journaliste à la fois populaire et critique des actions du gouvernement. Arnaud Froger, de poursuivre, Peter Tiani est un journaliste politique écouté, comptant plus de 5000 followers sur Twitter et plus de 8000 abonnés sur sa chaîne YouTube. En 2017, il avait diffusé sur YouTube une chronique « Devoir des mémoires » rassemblant de propos critiques tenus par Bruno Tshibala contre le président Joseph Kabila lorsqu'il était encore l'un de ses opposants, conclut-il. Rappelons que la RDC occupe la 154e place sur 180 au classement mondial de la liberté de la presse par Reporters sans frontières en 2018. Poursuivons ce journal avec cette page noire. La famille Tiani en deuil. Gilbert Moumaï Tiani a rendu l'âme à l'hôpital Saint-Joseph. Il faut savoir que l'illustre disparu avait fait une crise de tension après avoir appris l'enlèvement puis l'incarcération de son frère Peter Tiani. Après traitement, tout semblait redevenir à la normale. C'est ce dimanche qu'il a quitté la terre des hommes. Le Vrai Journal présente ses condoléances à la famille Tiani. Sensibilisation des électeurs sur le bien fondé des élections pour le développement de son milieu à Aromokula, candidat numéro 2 à la députation provinciale dans la commune d'Ngaba, a fait le porte-à-porte pour échanger avec sa base du quartier Mateba sur cette question. Philippe Vumpi, Arnold Massamba. Deuxième journée de porte-à-porte du candidat à la députation provinciale à la circonscription d'Ngaba. Le candidat numéro 2, l'homme d'Ngaba Telema, Aromokula, a communé avec chaque parcelle du quartier Mateba. Très proche de la population, celle-ci lui a réservé un accueil chaleureux. Comme le Christ Sauveur, dans chaque maison où les doléances lui a été présentée, Aromokula, en solidarité, a répondu aux plaintes par quelques billets de banque. C'est le soir que ce candidat numéro 2 a clôturé ses visites, accompagné d'une foule très contente de sa générosité et sa simplicité. Toujours sur le même chapitre, Solange Masumbuko, candidate à la législative nationale à Lukunga, s'est rendue au quartier Lutendele à Mangafula afin de s'imprégner de réalité que vit la population de ce coin de la capitale. Afia Roy pour le détail. Suivez. Pleureux avec ceux qui pleurent, c'est la parole biblique qui motive la visite de Solange Masumbuko au quartier Lutendele dans la commune de Mangafula pour consoler une famille ayant perdu une de l'heure pendant l'accouchement. Très touché par l'acte de la candidate 176 à la Lukunga, le veuf s'exprime. Moi,
Le même soir, après avoir assisté cette famille éplorée, la candidate 176 Solange Masumboko s'est rendue à un centre de santé du même quartier où elle a payé la facture d'une femme bloquée à la maternité faute d'argent. Solange Masumboko, une femme dynamique et sociale. Masumboko Nénési Solange, le numéro 176 est nouveau pour tous. La campagne électorale poursuit son bonhomme de chemin au parti Konadé. Moïse Monidela, son président, a procédé au lancement officiel de cette période préélectorale. Justin Manyongo était présent pour le compte du vrai journal. Il y avait du monde ce mardi 27 novembre au siège national du CONAD où Moïse Monidela, son président, a lancé officiellement sa campagne électorale à la députation nationale au niveau du district de la Lukunga. Pour ce faire, le candidat numéro 225 a expliqué aux cadres et militants de son parti sa vision ainsi que les objectifs qu'ils doivent atteindre pendant cette période de campagne. Une campagne dont le maître mot demeure Dieu, l'homme ainsi que la nature. Campagne de Tokosala Yango, na lolenge mibeko esengi. Moto atie, Dieu. Musala di bosso ya député ezali kotonga mibeko, élaborer les lois. Musala ya mibale ezali contrôle ya gouvernement. Donc ozali wana bozo contrôler gouvernement. Musala ya misatu me owana ekombama bite me ezali musala ya député ezali ko relayer ba aspiration ya peuple. Boza na chance, boza na mutu oyo bandaka la déjà alubaka. Aza pe na mbanga ya danger. Abanga ba pe mu mututé. Donc il faut boza na député ya boye pe député me azali ba. L'occasion faisant les larrons, le patron du CONAD a saisi l'opportunité pour présenter aux militants quelques candidats de ces partis à la députation nationale. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est clôturé l'échange du jour. Tout à fait autre chose. Le 5 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la journée internationale de l'arbre. L'ASBL Motoyasika, le prix du citoyen congolais, a organisé une visite au jardin botanique de Kinshasa avec les élèves du collège Georges Mouquet, Guillaume Samba, Luison Kiassi. Suivez. En marge de la journée internationale de l'arbre, les élèves du collège Mouquet ont visité le jardin botanique de Kinshasa ce mercredi 5 décembre, dans les soucis de comprendre la place d'un arbre dans la vie humaine. Après la visite, quelques élèves n'ont pas caché leur satisfaction. Quand on est venu, on a rencontré d'autres plantes qu'on appelle les baobabs, qu'on appelle les veillas dont j'ai aimé, et d'autres plantes qui nous aident à la production de quoi? À la fabrication de parfums, de médicaments et de plantes médicinales qui nous aident à la guérison. Et j'ai aussi aimé les labyrinthes que je me suis parlé. Lorsque vous entrez, si vous avez des problèmes, vous venez entrer dans le labyrinthe, j'ai vraiment aimé. Lorsque vous allez sortir, tout votre problème va rester là-bas, j'ai vraiment aimé. J'ai découvert encore, il y a des plantes qui sont à la fabrication de cacaoyers. Et le quoi, les origines de baobab. Ayant atteint l'objectif de la journée, Bosco Kambamba, coordonnateur de l'ASBL, Motoyasika, s'exprime. Cette activité a permis aux élèves de comprendre et de découvrir
les différentes sortes d'arbres qui existent ici au jardin botanique de Kinshasa. Donc les enfants ont aimé et voilà la raison de cette activité. Nous disons que les enfants doivent beaucoup en prendre en dehors de l'école. C'est pourquoi nous cessons de dire, d'appeler le responsable des écoles, le promoteur, le responsable des activités culturelles, d'organiser assez d'activités pour permettre à nos enfants. Parlons santé dans ce journal décembre, mois consacré pour une forte sensibilisation sur le VIH-Sida. À cet effet, les élèves du complexe scolaire George Williams ont été conscientisés sur ces fléaux. Bosco Kabamba, Luzon Kiasi. 1er décembre, journée mondiale de la lutte contre le VIH-Sida. À cette occasion, le complexe scolaire George Williams de l'IMCA a sensibilisé ses élèves sur la prévention de cette maladie. L'oratrice a parlé des différents moyens de transmission et comment se protéger contre ce fléau. Chaque jour dans le monde, il y a 2400 personnes qui attrapent le VIH. Et je le dis bien, c'est tout le jour. Les gens qui ont plus le VIH aujourd'hui, c'est la tranche d'âge allant de 15 à 24 ans. Ah, nous avons ce que nous appelons l'abstinence. La lettre B, c'est-à-dire bonne fidélité. Troisièmement, nous avons ce que nous appelons le condom. Mais au cas où tu te retrouves que tu as le VIH, ce n'est pas la fin du monde. Parce qu'il y a le traitement qui est là, c'est disponible. À la fin de la rencontre, les élèves n'ont pas manqué des mots. On nous a dit de connaître notre état sérologique. On nous a parlé du VIH-Sida. On nous a parlé de comment les filles attrapent le sida par des rapports sexuels, par des voies homosexuelles, par des voies sanguines. Enfin, le président national de l'IMCA s'exprime. Comme vous l'avez constaté, cette acte s'inscrit dans le cadre de la célébration du mois du volontariat que IMCA a décrété. C'est un mois qui est consacré au volontariat. Nous voulons donner la crédit volontariat aux enfants, aux jeunes et à toute personne pour qu'on sache que le volontariat, c'est pas une valeur que nous devons appliquer dans notre vie. Nous vous le disions en titre, Peter Tiani et le magazine Le Vrai Journal ont bénéficié du prix Liberté, Justice par tous et pour tous. La cérémonie a eu lieu ce mercredi au Centre Carter à Gombe. Suivez. Mercredi 5 décembre, Centre Carter, cérémonie de remise des diplômes du prix, la récompense du promoteur des droits de l'homme. Tout a commencé par l'hymne national. C'est le mot des circonstances du coordonnateur de l'ASBEL, Liberté, Justice, par tous et pour tous, Maître Nganzundu. Pourquoi liberté et justice? Ce sont deux valeurs fondamentales que nous mettons en exergue au sein de notre structure, simplement parce que nous estimons que l'être humain créé par Dieu est doté de cette capacité de liberté. C'est ça même la caractéristique fondamentale d'un être humain. La liberté pousse l'être humain à mettre au service de son prochain, au service de la communauté, les capacités reçues de Dieu. Ce n'est qu'un homme libre qui peut agir pour le développement de la société, ce n'est qu'un être libre qui peut agir pour la promotion de valeurs humanistes. Après l'intervention du maître Nganzundu, c'est la remise des prix aux 10 personnalités physiques et morales dont Peter Tiani, directeur général du magazine Le Vrai Journal, pour avoir contribué à la promotion de la liberté et de la justice en informant le public dans la vérité et sans compromission. Actuellement, emprisonné illégalement à Makala. Ici, représenté par un de ses collaborateurs, Bosco Kabamba. Ce dernier, très satisfait du prix, remercie le jury et profite de l'occasion pour dénoncer l'acharnement que subit le journaliste Peter Tiani. Je tiens d'abord à remercier la structure Liberté, Justice par tous et pour tous pour ce grand prix. Certes, Peter Tiani n'est pas avec nous,
il est en détention au niveau de la prison centrale de Makala pour avoir fait correctement son travail. Malheureusement, pour le cas Peter Diani est aujourd'hui considéré comme prisonnier du gouvernement actuel et nous cessons de le dire de Bruno Tshibala. Jusqu'à présent, la procédure n'est pas respectée comme le bouclier de ce régime et de ce grand prix. C'est un signe d'encouragement quand j'ai lu quelque part, on dit que c'est une contribution pour la promotion de la liberté et de la justice en informant le public dans la vérité et c'est sans compromission. Le magazine Le Vrai Journal, dans sa dimension de créativité, nous avons une rubrique plutôt, le devoir de mémoire que beaucoup parmi nous apprécient, mais qui dérange d'autres personnes. Et nous allons continuer à faire notre travail tout en respectant le principe du métier. Et sur ce, nous dédions ce grand prix à tous ceux-là qui souffrent de l'injustice, à tous ceux-là qui sont victimes de l'intolérance. À la fin, nous nous souviendrons non pas des mots de nos ennemis, des silences de nos amis, a dit Martin Luther King. Félicitations au Vrai Journal et à Peter Tiani. C'est par ici que nous baissons complètement le voile. Mesdames, Messieurs, merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée depuis la prison centrale de Makala et partout ailleurs dans le monde. Mesdames, Messieurs, ce journal est terminé. Au revoir. Il y a un peu de temps pour que nous ayons une prison. Pour que nous ayons une prison, nous ayons une prison pour que nous ayons une prison. Et ça, nous avons une bande de boloko. Parce que nous avons une bande de boloko. Nous avons une bande de boloko. Nous avons une bande de boloko. Nous avons une bande de boloko.